Je suis ici à Bussy-Saint-Martin, au parc du château Rantilly, où se déroule actuellement sur 4 jours le festival de piano organisé par Madame Gaudoire. Et ce soir, nous assistons à un concerto pour piano de Mozart. Je voulais simplement vous dire l'importance que la musique a au sein de Marnay-Gondoire depuis très longtemps, puisque nous sommes devenus conservatoire intercommunal en 2009, et nous avons, à travers nos conservatoires disséminés sur les 20 communes, formé des centaines de jeunes, qui se sont exprimés d'ailleurs il y a deux jours. Voilà, et puis il va y avoir d'autres concerts dès demain à Gouverne, qui vont faire intervenir les petits. Donc c'est dire l'importance qu'il y a à Marnay-Gondoire sur ce sujet. Alors Isabelle Moreau, elle est non seulement conseillère municipale de Vienne, mais elle est aussi conseillère communautaire. Et c'est elle qui, politiquement, on va dire, en tant qu'élue, a la charge de porter ce sujet de la musique, mais aussi surtout ce sujet du festival de piano qui a démarré il y a maintenant 3 ans. Voilà. Alors bien sûr, il y a des professionnels ici, mais il y a surtout Sylvie qui, elle, a d'énormes responsabilités à Marnay-Gondoire, pas seulement la musique, pas seulement la culture, c'est quand même vraiment son cœur de métier, et elle le fait super bien, et vous demande vraiment, a priori, de les applaudir toutes les deux. Je suis directrice générale adjointe en Marnay-Gondoire, et j'ai en charge notamment la culture. Donc la culture dans Marnay-Gondoire, c'est le parc culturel de Rantilly, c'est les festivals, c'est le réseau de bibliothèques et c'est le conservatoire intercommunal. Donc moi, mon rôle, la plus particulièrement dans le festival, c'est avec Isabelle Moreau, qui est une élue communautaire, c'est de construire la programmation et de créer les projets aussi. Donc en Marnay-Gondoire, il y a une politique culturelle très importante et il y a beaucoup de festivals de théâtre de rue, festivals de musique, festivals pour les enfants. Donc en festival de musique, il y a un festival de musique baroque, un festival de jazz et le petit dernier des festivals, c'est le festival de piano qui est intercommunal depuis 3 ans. Avant, il y avait le concours de piano dans la ville de Lagny. Et donc, les élus ont souhaité que ça devienne un festival intercommunal. Donc l'idée du festival, c'est de faire découvrir le piano, parce que souvent on dit « oui, le piano, on connaît, qui représente la musique bourgeoise ». Et on avait envie de montrer justement toute la diversité de cet instrument. Il y a de la musique magnifique, les compositeurs ont vraiment souvent confié, ont écrit leurs partitions pour cet instrument les plus intimes, celles qui représentent le plus leur langage musical. Donc on voulait vraiment porter un autre regard sur le piano, faire entendre le piano dans sa partie création. Donc là, durant le festival, les élèves ont présenté leurs compositions personnelles, les élèves du conservatoire intercommunal. Je disais tout à l'heure, il y a les festivals, mais il y a aussi le conservatoire intercommunal qui est extrêmement développé sur le territoire. Hier, c'était au château, qui est le musée intercommunal de Rantilly. Donc dans les salons, autour des tableaux, entourés par les tableaux, le public a pu découvrir de la musique de chambre, donc piano et voix. Et aujourd'hui, c'était donc le piano qui dialoguait avec un orchestre pour un concerto de Mozart. Demain, il y aura un concert pour les enfants, puisque c'est important aussi de faire découvrir cette musique-là pour les enfants. Donc c'est un concert qui est dimensionné pour eux. Donc c'est 11h du matin, c'est pas trop long non plus. Et les musiciens sont disponibles pour échanger aussi avec les enfants. Et demain après-midi, c'est à Gouverne. Alors là, c'est le piano. Alors c'est une œuvre très curieuse. C'est piano et harmonium. Donc un instrument sur lequel on actionne les pédales. Donc il y a un clavier aussi. Et avec un chœur et des chanteurs solistes. Donc vraiment plein de façons de voir le piano. L'année prochaine, là, on sait qu'on aura aussi du jazz, des musiques du monde. Vraiment pour casser un petit peu cette image de l'instrument et faire entendre, vraiment réentendre des pièces et des musiques magnifiques qui peuvent être jouées avec cet instrument. Et vous observez au fil des années de plus en plus de jeunes qui s'orientent vers la musique classique. Avec le conservatoire intercommunal qui a sur Marnay-Gondoire plus de 2400 élèves, on a pas mal de jeunes effectivement qui font de la musique et la politique de la communauté d'agglomération, c'est vraiment de rendre aussi accessible l'enseignement musical à tous les publics, donc y compris les enfants qui iraient pas spontanément vers le conservatoire. Donc on a des dispositifs comme Crescendo, qui est un orchestre qui
répètent dans différentes communes donc, et où on a un accès à la musique par l'apprentissage des instruments à cordes. Et les enfants se retrouvent en orchestre. Donc on a beaucoup de dispositifs qui vont permettre justement d'accéder à la musique. Et comme vous le voyez, dans le festival, le public est très varié. Il y a vraiment tous les publics. Et c'est ce qui est important, c'est des festivals qui touchent aussi vraiment les habitants du territoire. Et ce sont des publics qui n'iraient pas forcément... qui aiment trouver cette diversité sur le territoire.